Maintenant, hier, je vous ai parlé que les pensées, les idées, les sentiments et se conformer envers quelque chose de géométrique, de mathématique. Et oui, mais comme je n'avais pas du temps à m'arrêter sur ce sujet qui est tellement extraordinaire, tellement important, alors maintenant, je vais essayer à vous révéler certaines choses. Bien sûr, ça c'est inconnu pour la majorité des humains. Ils ne savent pas que telle expression, tel visage, tel nez, telle couleur dans la peau, telle forme de la tête, telles oreilles, les bras, les jambes, tout, et lié avec quelque chose de géométrique qui a une correspondance absolue avec certaines choses qui ne sont pas dans le plan physique. Ce qui est dans le plan physique, ce qui est concrétisé, ce qui est visible, tangible, palpable, matériel, et à ses origines en haut, très loin, très loin, très loin, dans le monde causal. Ici, c'est le monde des conséquences. Ce n'est pas le monde des causes. Et les gens se trompent en pensant que c'est ici les causes. Ce sont les conséquences ici. Les causes sont très loin dans nos pensées, dans nos souhaits, dans nos désirs, dans nos décisions, dans notre volonté, dans notre esprit. Et voilà maintenant comment les choses sont placées. Il me semble même qu'on n'a pas parlé beaucoup à ce sujet, malgré que c'est tellement essentiel, tellement important. Ils ont mentionné, certains occultistes, certains spiritualistes, qu'il y a un monde archétype. Ça veut dire là où ils sont les images, les projets, les plans, le côté géométrique de tout ce qui existe ici sur la terre, les plantes, les fleurs, les cristaux, les humains, les animaux, et ainsi de suite. Et que ce monde archétype est quelque chose que nous ne pouvons pas nous imaginer encore, quelque chose qui n'est pas fait d'une matière dense, opaque, c'est quelque chose de tellement subtil. Et tout le monde qui pense dans le passé que le monde physique, matériel, évolue et qu'il avance et qu'il a de plus en plus des formes, des images, des couleurs, toujours différentes, et ils se sont trompés. Ils ne savent pas que ces images que les animaux, les oiseaux, les plantes possèdent, ils existent en haut comme archétypes, comme des choses éternelles. Que les animaux, les insectes, dans leur avancement, dans leur perfectionnement, ils arrivent à rassembler, à être exactement d'après le degré de l'évolution. Ou, si vous voulez, pour les humains, d'après leurs pensées, leurs sentiments et leurs tendances. Plus leurs pensées, leurs sentiments, leurs idées vibraient en unisson, en perfection, en pureté, en rapidité, en intensité, avec ce monde archétypal, plus les formes qu'on avait s'amélioraient, devenaient plus expressives, plus belles, plus rayonnantes, plus céleste, plus subtil. Et voilà ce que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. Parce que s'ils savaient ça, ils auraient fait des efforts
pour s'approcher de plus en plus, pour changer leur visage, leur regard, leur corps, leurs membres, leurs organes, ainsi de suite, en sachant quelle pensée, quel sentiment, quelle détermination, quelle décision, quel mobile avoir, tout ce qui est subtil, qui est céleste, qui est divin, qui est désintéressé, qui est noble, alors à ce moment-là, sans le vouloir, par leur changement de vibration, longueur d'onde, ils s'approchent de plus en plus vers ces formes parfaites en haut, qui sont au point de vue géométrique, mais alors d'une telle symétrie, d'une telle beauté comme couleur, de telle perfection, de telle splendeur qu'on ne peut pas s'imaginer. Et même sans savoir ça, ça se fait. Voilà donc ce qui est réel, ce qui est stable, c'est le monde archétypal. Il est pour l'éternité, ces images sont là, éternelles, stables, mais ils ne sont pas variables. Ici, ce qu'on s'imagine qui est éternel, est changeable. Mais jamais stable, éternel, tout est variable, d'après le degré d'avancement des vibrations. C'est pourquoi on voit... Depuis des millions d'années, on constate qu'il y a une évolution. Les plantes, même les cristaux, même les insectes, même les animaux, les fourmis, les terres, partout. Et ils ne savent pas d'où ça vient, envers quoi les plantes, les animaux et les humains se tendent pour se rapprocher, pour rassembler. Pourquoi la menthe religieuse? Elle arrive à rassembler à l'herbe, et à la forme et à la couleur de l'herbe. Et comment ça se fait, comme je disais, pour les ours polaires? Et ils sont blancs parce qu'ils regardent la neige. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on peut arriver à rassembler à quelque chose qu'on veut, qu'on aime, qu'on souhaite. Où se trouve ce pouvoir, cette possibilité, ces moyens de rassembler à quelque chose, de prendre la forme de quelque chose? C'est quand vous regardez quelque chose, il y a en dedans, c'est l'intelligence cosmique qui a préparé, de rassembler à l'objet. Comme par exemple, quand nous regardons le soleil, nous commençons à rassembler au soleil. Et oui, mais vous direz, mais on est rassemblé au soleil. Il faut longtemps. Mais dans le domaine mental, dans le domaine astral, on prend la forme du soleil. Et on devient rayonnant et lumineux. Seulement, ça ne se voit pas. Pour que ça soit dans le plan physique, il faut des années, des siècles, des milliers d'années. Mais la loi est véridique. La loi est impeccable.